Sei uno di quelli che ha giocato più partite di tutti, non solo più minuti di tutti, insomma, sei tra i primi che hanno fatto così più partite. Visto da dentro, qual è il reale valore di questo Verona? Credo c'entri poco con la classifica. Oui, après, moi, ce que j'ai pu voir de l'équipe et du collectif, c'est vrai que voilà, tout le monde s'attendait à mieux. Je pense que les tifosi s'attendaient à mieux. On a un début de saison difficile. Mais voilà, je pense qu'on n'est pas à notre place. Parce qu'il y a eu des matchs où, voilà, contre le Torino, on s'est fait remonter. Contre la Lazio, je ne pense pas qu'on mérite de perdre. Aujourd'hui, voilà, Vérone a une bonne équipe et je pense qu'on est une équipe pour être classée au milieu de tableau du championnat de Serie A. Sì, secondo certamente i tifosi, o si suppone nei confronti dei tifosi si poteva per i tifosi far meglio. Ovviamente è stata una stagione difficile. Sicuramente io penso che non siamo al nostro posto in classifica, che noi meritiamo una situazione, una posizione più alta nella classifica. E che per esempio in particolare nei confronti del Lazio, una partita contro il Lazio, la squadra non meritava di perdere. E dunque sono sicura che meritiamo una posizione in classifica sicuramente migliore. Quanto vi dà fastidio non aver ancora vinto una partita e in questo senso quanto diventa importante la sfida con l'Udinese che sembra un avversario alla portata? En quelle mesure est-ce que ça vous dérange énormément d'être dans cette position? Et en conséquence, quel poids a la partie que vous disputerez avec le Genèse et dimanche? C'est toujours difficile de se retrouver dans le bas du classement, parce que voilà, on est dans le bas du classement, dans les trois derniers. C'est difficile pour la confiance, pour la ville, pour les tifosi. Maintenant, la partie contre le Udinese, elle est importante parce qu'on n'a pas encore gagné un match. Et le Udinese n'est pas très loin, ils sont à 7 points, on a 4 points. Maintenant, il faut absolument gagner dimanche pour revenir à hauteur et avoir plus de confiance pour la suite du championnat. Sì, come dicevo, la nostra situazione è difficile perché siamo tra i tre ultimi, dunque è sicuramente difficile per la squadra, per la città, per i tifosi e dobbiamo dunque, non abbiamo vinto una partita e dunque dobbiamo assolutamente vincere questa partita contro l'Udinese domenica e penso che siamo all'altezza per poterlo fare e portare in modo più sereno avanti il campionato. Visto che Pazzini ha recuperato e giocherà, c'è un vero centravanti lì davanti, glielo fai tu il cross per il gol di vittoria. Visto che Pazzini gioca e fa tu il cross, quindi siamo centravanti e lo fai tu il cross. Ci vede? Excusez-moi. Étant donné que Pacini est revenu, c'est vous qui lui ferez le cross Oui, pour marquer, sans faire pour oui, sans faire d'accord. On a répondu italien. Excusez-moi. Oui, ben, ça nous fait du bien de récupérer Pazzini. Au moins, on a un vrai attaquant. Et puis, ouais, je vais essayer de lui délivrer des centres et pourquoi pas moi-même marquer le but dimanche. Sicuramente farò le cross e passerò la palla a Pazzini in modo che possa segnare e perché no anch'io segnare domenica. Grazie.